Et bienvenue dans la caserne de l'oncle Paul. Pour aujourd'hui, je vais en troisième présentation. Je vais vous présenter le perso avec lequel j'ai fait mon solo en platine. Donc le franc-tireur turien, qui est un immonde de bourrin en fait. Hein. Il est complètement cheaté, comme ça se dit, cheaté ce personnage. Donc, au niveau de ses pouvoirs, en camouflage tactique, je lui case la durée. Parce que les dégâts ça sert pas à grand chose en fait, l'avantage de la durée c'est que ça permet d'avoir un personnage plus souple. Ensuite la vitesse de rechargement et les dégâts au fusil d'assaut. L'avantage c'est qu'en fait ça reste 10 secondes les dégâts au fusil d'assaut avec lui après la perte du camouflage, ce qui fait que ça permet d'utiliser en fait la surcharge. On utilise la surcharge, ça enlève le camouflage tactique et ensuite on envoie une salve au fusil d'assaut. En double, ça c'est pour calmer un peu les ennemis, ou vous repérez des connards invisibles, comme par exemple les chasseurs guettes, ce genre de trucs là, qui se foutent derrière vous, ou sinon pour repérer un zombie qu'on n'a pas forcément vu, on les assomme. Et ensuite, les boucliers. Alors ça en fait, c'est pour tout ce qui est personnages un peu lourdingues, comme les furies qui rechargent leurs boucliers très vite, pour abattre les fantômes assez vite, les chasseurs de Cerberus, les pyros, etc., etc. Au niveau de son arbre de compétences classique, donc là je lui ai mis la stabilité et les dégâts, les dégâts des pouvoirs pour la surcharge, parce que les dégâts à la tête avec un fusil d'assaut, c'est pas toujours, et enfin les bonus aux dégâts. Parce que ça après c'est quoi? Ouais, le pot du fusil d'assaut, ça a aucun intérêt quoi, ils sont pas super lourds à la base. Et ensuite en athlète, hop, j'ai mis ce que j'ai pu, les boucliers, j'ai sacrifié le troisième pour avoir les kits stimulants. Les kits stimulants que j'ai mis au minimum parce que je les considère en fait comme des kits de survie qu'on a en permanence. Parce qu'après les bonus qu'ils donnent par la suite, je les trouve pas terribles quoi. C'est pour ça que j'ai préféré la surcharge. Et vous verrez, c'est carrément efficace. Au niveau de son armement, d'habitude je l'utilise avec le chasseur de Cerberus, tac, voilà, donc avec les cartouches supplémentaires et le canon rallongé, et je lui mets après des munitions perforantes ou des munitions gosses pour compenser. Ça fait un personnage qui peut à peu près tout faire. Donc si vous n'avez pas le chasseur de Cerberus, parce que je sais qu'il n'est pas évident à avoir, deux sympas que j'aime bien, il y a la Revenant, et sinon il y a le bon vieux Matoc. Hop là, issu du Mass Effect 2, que je trouve sympa, un petit peu de nostalgie, ça fait pas de mal. Allez, on va se faire un petit coup au Matoc. Au niveau équipement, ben oui, un classique, un pack de guerriers qu'on peut après cumuler avec les modulateurs cycloniques. Si vous en avez pas, ben, vous pouvez mettre le pack de la base ou le renfort de bouclier. Mais j'aime bien le pack de guerrier parce que ça oblige à bouser vite. Les augmentations de bouclier sont pas forcément nécessaires avec lui, étant donné qu'il a des kits stimulants. Après, à vous de vous débrouiller pour en avoir en pagaille. Au niveau des munitions bonus, si vous avez donc le perce-blindage, ben on va éviter en fait tout ce qui est gosse et munitions perforantes. Et après, tout le reste est sympa quoi. Et en arme bonus, évidemment, le rail de fusil d'assaut. Tac, on va l'essayer donc comme d'habitude, tout nu. Hop, en or, avec mes copains les moissonneurs. Waouh, c'était des moissonneurs avant. Allez, les guettes. Les guettes que je supporte pas. Je les trouve super dures et perso je trouve que c'est les plus chiants. Et on est parti. On va voir sur quelle map on tombe. Ah, map dynamique, ça c'est bien en fait sur map là et les nazes sur les snipers. Les dégâts comme ce personnage là, bien compris. Carrément intéressant. Carrément, carrément. Petit, 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 petit. On se place. Des sols balance roquettes. Ouais. Oh con, j'avais oublié. Ouh la misère. Ouais, alors le Matoc en fait il faut se placer hein, parce que je vois à découvert comme avec le chasseur de Cerberus, ça passe pas du tout. Ouh, je suis blessé. Voilà, hein, un petit peu du stimulant, bon j'aurais pu ne pas le faire hein, mais voilà quoi. Et... ce personnage là aussi, les déplacements avec les réacteurs de bulles là,
c'est sympa, mais par contre, parfois ça peut être dangereux, étant donné qu'on peut se retrouver mais coincé, mais comme un con derrière, je sais pas moi, une barrique. Après pour les esquives, hop, c'est vrai qu'il est sympa quoi. Par exemple pour les ruptures de furie, c'est vrai que c'est sympa. Là, on attend que ça se recharge, tac, et zou. On va se mettre de l'autre côté. Ouh, bouclier perdu. Ah, il est là-bas. Ouh, je suis blessé. Voilà, alors avec lui, c'est ça. On se met en danger, on prend des bastos. En bref, il permet de compenser ce plein de feu quoi, hein, c'est... L'avantage d'avoir des munitions par exemple qui finissent les gars comme les munitions incendiaires, c'est toujours pas. C'est sympa quoi. Voilà. Chez BioWare, ils ont enfanté un gros mulet. Mais vraiment un gros mulet quoi. Ça pour faire du solo, c'est, je trouve que c'est l'un des meilleurs persos quoi. Rapide, efficace. Bof, et vas-y, tu m'esquives. Voilà, donc si on garde en fait des avec du matos pas trop lourd, c'est pour ça que je ne charge pas ce perso juste avec une arme, ça suffit. C'est justement pour pouvoir en fait reprendre sa, son camouflage tactique vite, tac, ça permet d'être réactif. Voilà. Ça y est. Allez, bon jeu.